Ils s'en passent à la campagne, absolument, et vous pouvez le découvrir tous les mois sur TV7 grâce à l'émission Champ Libre qui vous propose de savoir ce qui se passe en milieu culturel en... Euh, campagne, donc culture et ruralité, ça marche, et c'est la preuve tous les mois, avec Chant libre dont la co-réalisatrice est avec nous, Sonia Moumen, bonsoir. bonsoir, et puis il y a avec vous, euh, également, euh, Bruno Brisson, alors vous, bonsoir, vous êtes bonsoir. Le, le secrétaire de l'association Musique à la rue à Luxeuil, dans les Landes, en matière de culture et de ruralité, vous vous posez là, on revient dans un instant sur euh, ce festival, Musique à la rue, et, et tout ce que ça veut dire pour la vie du village de 710 habitants, hein. 710 on est d'accord mais avant justement pour poser cette problématique de culture et de ruralité je vous propose d'écouter quelques mots de, de Yannick Jolin alors lui est, il est conteur mais en scène c'est qui Yannick Jolin C'est une, une grande figure de, de, de la région notamment dans les Deux-Sèvres où il a créé euh, le nombril du monde à Pounierison, c'est un conteur à un qui voilà. est devenu ouais. le nombril du monde. Il faut le savoir ouais. grâce ouais. à Yannick Jolain, entre ouais. autres. Euh, il est conteur, il est metteur en scène, il est comédien, il est chanteur, il est musicien. C'est un peu un couteau suisse, mais surtout, il a pour particularité de mettre dans ses spectacles la langue poitevine, et c'est le grand défenseur de la, grand, de la langue poitevine. Écoutez ce qu'il dit justement sur culture et ruralité. On en parle tout de suite après. La place de l'art et de la culture dans la ruralité, pour moi, c'est peut-être le seul moyen de rebâtir des villages qui n'existent plus. Parce qu'on nous parle de la ruralité, des villages, mais c'est un leurre. C'est devenu comme les restes de la Chine -Chita, quoi. C'est-à-dire qu'on a des décors en carton-pâte qui font croire qu'il y a des villages avec une communauté villageoise, mais elles ont disparu. La perte de, de l'agriculture, la, la fin de l'agriculture avec tous les emplois induits que ça conduisait et la solidarité agricole qu'il y avait avant, qui était une réalité, et qui n'existe absolument plus. Les derniers agriculteurs, c'est des entrepreneurs euh, industriels agricoles. Ils ont perdu tout sens de la terre, ils ont perdu tout sens du village, ils n'ont plus le temps, ils sont exténués. Et donc ça veut dire que les villages n'ont plus de raison. Il y a plus de. Ils existaient autour de ça, ils existaient autour de cette agriculture. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'art et la culture qui sont... Peut-être des moyens dans cette, des espaces qui sont vierges aujourd'hui. Et en plus, dans une ruralité qui souvent vit dans la nostalgie. C'est-à-dire qu'ils préfèrent faire la fête des vieux métiers, la fête des battages. Alors que je pense qu'il y, y, y a des territoires. Il y a quelque chose à faire dans la ruralité. Je vois partout en France, moi. Je vois le besoin de ça. Je vois la joie que les gens ont tout d'un coup à, à, à se dire mais on nous amène de la culture dans le village et on peut se rassembler autour de ça. Et culture et ruralité, ce sera justement le, le thème d'une table ronde euh, ce, euh, ce jeudi dans le cadre des tribunes de, de, de la presse. C'est bien que Chant Libre ait été euh, invité sur cette question. Oui, oui, oui c'est assez formidable. Que les tribunes de la presse nous invitent à débattre sur ce thème. Donc le thème du débat ce jeudi c'est Loin des villes, créativité zéro ou bouillon de culture avec l'exemple de Musique à la rue mais aussi du Centre d'art contemporain de Mémac et une géographe qui va venir nous éclairer sur euh, la place des jeunes aujourd'hui dans la culture en milieu rural parce que finalement on se rend compte nous avec Champs-Libres que les jeunes sont un peu l'avenir de ces territoires ruraux. champs libre on, on rappelle donc hein, c'est une, une émission euh, sur TV7 tous les, tous les mois qui fait le point sur les initiatives en matière culturelle euh, en euh, ruralité. Vous qui êtes parti dans cette aventure, Sonia, est-ce que depuis maintenant un an, un an, un an et demi, hein, depuis trois ans, depuis. De... <laughs> Depuis trois ans, nous le écumons les campagnes de nouvelle Est-ce que vous-même, vous avez été euh, étonné de ce que vous avez pu euh, voir sur, sur place au, au, au gré de vos déplacements et de vos reportages Oui, bien sûr. Quand on a attaqué Champs-Libre, donc c'était les premiers tournages en, en 2017, on avait l'intuition qu'il y avait une vraie vitalité, une vraie richesse, une vraie créativité en milieu rural. C'était une intuition. On n'en était pas sûr. Eh bien, Vous avez eu le nez. Ah, on a eu le nez, on est le nez. La question de la ruralité ne se posait pas aussi fortement dans le débat public aussi. Et nous, on, on a décidé de s'intéresser à ces invisibles-là, à tous ces projets culturels d'une grande richesse, dont on ne parle peu dans les médias, souvent parce que ce sont de petits projets. Alors, on a Luxeye aujourd'hui avec mmh. nous, qui est un gros projet en milieu rural. Mais ce qui caractérise les projets en milieu rural, et notamment les festivals, c'est souvent qu'ils sont très courts, peu de public mais de très très grande qualité, avec un investissement des populations très fort aussi. C'est vrai que c'est assez étonnant, hein, ce qu'on découvre tous les mois grâce à, grâce à vous. Et vous l'avez dit, il y a avec nous euh, musique à la rue. Alors non pas musique à la rue, mais euh, le secrétaire de l'association musique à la rue, euh, au mois d'août, à euh, Quoi 80 groupes, 40 000 personnes dans un village de 710 habitants, oui. musique à la rue. Euh, D'abord, comment s'est née Musique à la rue à Parce la que rue. ça paraît complètement fou d'imaginer qu'un petit, petit village comme Luxeuil euh, puisse mettre en place un, un festival comme celui-là. Vous avez grossi petit à petit, j'imagine. Exactement. Musique ouais. à la rue, c'est la théorie des petits pas. Donc ouais. Ça a commencé en 1968. 30 ans d'histoire et ensuite 30 ans de festival. Donc 60 ans d'histoire. Et pourquoi avoir voulu euh, installer un festival comme celui-là dans ce village de 710 habitants Et Parce que pendant 30 ans, les jeunes adolescents du village se sont amusés à, à détourner les fêtes traditionnelles en organisant des parodies de différentes choses comme des corridas, etc. Des chasses à la palombe. Ils faisaient des déambulations très satiriques qu'on n'oserait maintenant plus faire. Est-ce que vous imaginez le président de la République sur un char et à qui on jetterait des œufs. Ils avaient fait ça avec Valérie Giscard d'Estaing à l'époque. Et ça se passait très bien. Donc tout tout ça, que c'est le petit village gaulois <laughs> Oui, c'est ça. Et tous ces jeunes ont fait ça pendant 30 ans. Ouais. Et on venait de très loin pour les fêtes de village à Luxeye, pour voir des spectacles dans le village. Et au bout de 30 ans, euh, toute cette énergie-là a été transformée. Et ils ont eu la chance d'avoir un voisin, un artiste, Bernard Lubat, qui, que l'on invite régulièrement à Luxeye, et qui leur a proposé de transformer ça en un festival professionnel. Ah, les bêtes qui, lui aussi, en matière de culture et de, de ruralité, se, se pose là. Euh, comment on fait là pour, pour gérer tout d'un coup l'afflux de 40 000 personnes sur quelques jours dans, dans, dans ce village-là J'imagine que tout le monde est mis à contribution dans le, dans le village ou presque. Oui, tout le monde est mis à contribution. Et depuis le début, les habitants ont été mis à contribution parce qu'ils ont dès le début accueilli les artistes. Et cette capacité d'accueillir des artistes, même des grands artistes fait que tous les habitants participent d'une manière ou d'une autre à l'organisation de ce festival. Et ensuite, bien sûr, on va leur demander des terrains pour, pour se garer, pour faire camper les festivaliers. Donc, ils sont complètement euh, investis dans cette organisation. Alors, on parlera justement de musique à la rue et dans un prochain numéro de, de, de Champ Libre, avec effectivement ce, ce constat, c'est qu'il y a le festival, certes, mais que ce festival, en fait, fait vivre... Toute l'année, ce, ce petit village avec des déambulations, des ouvertures officielles du festival, etc. etc. Le cas de, de musique à la rue est un peu exceptionnel où il, où il y a effectivement des pépites comme ça ou des histoires proches de celle de Luxembourg. Alors des histoires proches de celles de Luxembourg, il en existe d'autres. Il y a des festivals formidables qui s'inscrivent dans la durée. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours un leader charismatique, souvent en tous les cas, et un engouement, un soutien de la population locale. Je crois que c'est un peu ce, ce pilier-là à la fois une personnalité forte, là ça a peut-être été Bernard Lubat au démarrage et puis ensuite euh, d'autres qui ont pris le, le relais, euh, mais on le constate souvent, une personnalité forte qui a une intuition, une idée et puis la population qui va le suivre, qui va le soutenir et tout d'un coup... Ce festival, ce lieu, euh, ce projet deviennent vraiment s'inscrivent dans le territoire et sont portés collectivement. La dimension collective est très forte. Et il y a une vraie volonté, justement, comme ça, d'accueil du public parce que c'est vrai que, euh, vu des villes, hein, on a quand même le sentiment que. Bah, les urbains ne sont pas forcément toujours les, très bien, les bienvenus, surtout quand ils ont euh, des guitares qui font du bruit, enfin voilà, et qu'ils amènent un petit peu avec eux le, le, la vie. Je caricature hein, volontairement pour effectivement se rendre compte qu'on on a, nous, ici, peut-être en ville, des, des, des idées euh, préconçues qui sont, qui sont fausses, qui vont faire tomber. Alors sur le festival, on est obligé d'informer les artistes parce que venir à Luxey, ça fait aussi peur à beaucoup d'artistes. Ah oui, c'est vrai. De traverser parce 80 qu ils imaginent km quoi, qui vont se retrouver devant un public, de, entre guillemets, hein, je me fais l'avocat du diable, de, 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 de PECNO, qui ne vont pas comprendre leur art, c'est ça Et devant, personne. Et devant personne. Et devant personne. Ils ah oui. font 80 km au milieu des pins, comment peuvent-ils imaginer <laughs> qu'ils vont avoir 10 000 personnes devant eux Donc cette crainte-là, il, il faut la dissiper. Donc les artistes, on essaie de leur dire d'abord, il n'y a pas d'hébergement à Luxey, il n'y a pas d'hôtel, il y a rien. Donc, vous allez venir dormir chez l'habitant. Est-ce qu'au est... final, ils ne retrouvent pas un petit peu l'essence de, 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 de ce qu'ont les artistes à leur début C'est-à-dire, toujours un petit peu, on se débrouille, c'est pas grave, on squatte un peu, les portables. C'est ça. Après, il bon, y a les hôtels, les, les tourneurs, etc. Mais, vu que ça, il y a un retour aux sources un peu aussi pour les artistes, peut-être Oui, un petit peu. Il y en a des artistes qui sont venus une première fois en demandant un hôtel, et la deuxième fois. Quand ils ont vu que l'hôtel était à 50 km, on demandait à dormir chez l'habitant. Alors, comment ça se passe justement euh, autour de luxeil Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, un, un, une seule seconde, euh, luxeil sans musique à la rue Ça fait Alors, partie de, de l'ADN maintenant du village, j'imagine. Il faudrait demander à M. le maire de luxeil <laughs> cette question-là posée lui. Mais je pense que sans musique à la rue, la population du village aurait encore décliné. Ouais. Et on n'aurait pas pu maintenir tous ces commerces, cette épicerie, ce bureau de tabac. Cette et tout ça, tout ça grâce à ce festival de quelques jours au mois d'août oui, parce que c'est en quelques jours qu'ils font une grosse partie de leur, de leur chiffre d'affaires. C'est ça, hein, le, le côté important de la culture, hein, au-delà de, de, de la vie, il y, y a aussi le côté économique Bien sûr, mais ce qui est très emblématique de Luxaï, ce qui est exemplaire à Luxaï, c'est que d'un festival très médiatisé, euh, qui ramène énormément de public, il y a eu s'est développé en parallèle un projet culturel à l'année avec la salle des cigales. Les Ça, c'est ouais, vraiment salle, quelque ouais. chose de très important et qui fait que Luxeuil est un modèle, je pense, pour bien des, des petites communes et bien des petits villages de France. Oui, tout à fait. Ouais, c'était compliqué de, de persuader les, les gens du village que c'était une bonne chose, c'était un vrai combat Ou au final... Euh, bon, ça s'est fait euh, naturellement. Pour la salle de spectacle ou pour le festival Oui, pour, pour le festival, la salle de spectacle. Voilà. Le... — Pour le festival, comme c'est venu à, à petit, part, petit voilà, a par, a pas. Petit à voilà, par les de gens difficulté. du cru. On a augmenté le nombre ouais, de ouais. publics, on a augmenté le nombre d'artistes progressivement. La salle de spectacle, ça a été un peu l'apothéose quand même. Ouais. Et c'est ça qui donne à tout son sens au projet de Duxey, parce qu'on a cette structuration par la salle de spectacle qui fait qu'à l'année. Nous avons des propositions artistiques qui sont du niveau de celles qui sont proposées à Bordeaux et à Mont-de-Marsan. Et c'est une manière aussi de pérenniser des emplois, de créer de l'attractivité, non pas sur un temps très court, au mois d'août, mais tout le long de l'année. Et ça, c'est capital pour des territoires ruraux qui ont besoin de maintenir une population locale. 710 habitants, vous l'avez dit, ça n'a pas été toujours le cas. Il y a eu une augmentation. Les gens reviennent à Luxaï. Oui, si je prends les chiffres de ouais. 1990, premier festival, il y avait 680 habitants, donc à l'heure où beaucoup de villages se dépeuplent on a une stabilité, et voire on a gagné quelques habitudes. Donc on est bien d'accord, on n'est pas, comme le dit Yannick Jolin, dans un décor de carton-pâte, hein, euh, du côté de Luxaïen, hein, il y a une, une, vraie, une vraie vie. Euh, Est-ce que, euh, comme le dit Yannick Jolin, il y a une vraie, un vrai besoin, une vraie envie dans les campagnes euh, d'avoir accès comme ça à cette, à cette culture Lui, il dit il, que la culture peut euh, remplacer la fin de la solidarité agricole. Oui, il y a une envie d'accéder à la culture, mais de participer aussi. Oui. Je vais prendre un exemple. Nous avons une, une jeune association dans le village, qui est une association de graffeurs. Des, des graffeurs Des graffeurs, oui. À Luxeuil Exactement. <laughs> donc ces jeunes Vous graffeurs... Vous leur avez réservé un mur ils sont... <laughs> On les a fait participer au festival. C'est eux qui vont décorer les loges des artistes. On a, on a décidé de faire appel. Donc ils participent au projet, mais tout en gardant leur spécificité. Ce qui est compliqué, c'est d'amener la culture et de la poser là et de demander aux habitants de s'y intéresser et forcément. Non. Là, je reprends un peu toutes les théories sur les droits culturels qui existent actuellement. C'est-à-dire qu'on doit faire participer les habitants en les associant au projet. Donc j'ai un autre exemple qui est emblématique pour nous, c'est l'association des chasseurs. Les chasseurs de luxe. Alors les chasseurs et les graffeurs, ce n'est oui, pas tout à fait la même culture, justement, justement pour le coup. Mais <laughs> les chasseurs de Luxey, depuis euh, au début du festival, étaient un petit peu, bon, la chasse et la musique, ça ne fait pas toujours bon ménage. Ça fait s'envoler les oiseaux. Hein. Voilà. Ouais. Mais depuis euh, pas mal d'années, ils ont le plus gros stand de nourriture pendant le festival. Ça leur permet économiquement d'avoir euh, fabriqué, des, enfin rénové des, des logements, pour, enfin pas des logements, des lieux pour leur chasse, d'avoir euh, défriché les forêts. Et pour les festivalistes, c'est un bonheur. C'est quand même plus agréable de venir manger du, du sanglier que de venir manger un simple kebab. Alors, euh, par rapport justement à, à, à tout ça et par rapport à la, à la culture dans le, dans le monde rural, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi, j'allais dire, une autocensure de, de la part des, des habitants des, des zones rurales en se disant où oh, c'est pas pour moi, je veux rien comprendre, c'est trop compliqué, la culture j'y connais rien, je n'ai pas forcément fait beaucoup d'études, enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi une voilà une façon un petit peu particulière de se dire oh, moi c'est pas pour moi, je peux pas y avoir accès Elle n'est pas propre au monde rural. Ça, elle, elle, elle existe partout. On travaille dans beaucoup de réseaux et ouais. cette, cette barrière par rapport à la culture existe. D'autant plus quand il y a une salle. Donc nous, la salle de spectacle, on y fait des propositions attractives pour essayer de briser cette barrière. Et ce qu'on essaie de faire maintenant, et ça c'est un rêve, je pense qu'on y arrivera, c'est d'arriver à implanter des artistes en milieu rural. Là, ça fait Alors, des résidences d'artistes. Les résidences. Ça fait trois ans qu'on fait des résidences d'artistes et on s'aperçoit quand un artiste reste une semaine. Pas forcément pour travailler la musique dans la salle, mais on les fait sortir de la salle, on les fait rencontrer les habitants pour d'autres projets, plutôt sur le théâtre. On arrive à créer quelque chose et là on retrouve vraiment une, une passion chez ces habitants qui vont participer au projet qui sera présenté parfois six mois plus tard. Je voudrais rebondir sur la question des résidences. C'est quelque chose qui est très fortement implanté en zone rurale, peut-être parce qu'il y a de l'espace, peut-être parce qu'il y a des conditions de travail, le calme. On n'est pas perturbé. On est mmh. un peu dans un vase clos, finalement. Et beaucoup de lieux de résidence se sont créés en, en milieu rural. On a Pollen à Montflanquin sur Mont l'art contemporain on a la Métive en, en creuse sur le spectacle on a Améka au Pays basque. On en a énormément qui s'aiment. Et c'est une manière aussi de fixer des populations. 15 jours, un mois, et puis peut-être pour plus longtemps. Alors, sachez qu'à Luxeille, euh, par exemple, il y a neuf emplois directement liés à la culture sur 710 habitants. Encore une fois, le Festival musical à la Rue, c'est en août uh, à Luxeille en sera question uh, ce, uh, ce jeudi uh, à l'occasion des tribunes de, de, de la presse. Uh, bon, on rappelle rapidement quand même, Sonia, que Jean-Libre, uh, c'est une, une affaire d'équipe. C'est une affaire d'équipe avec une mmh. co-réalisation partagée avec Jean-Baptiste Béiss. Hors pair, collaborateur hors pair, et puis un producteur, Pascal Chevalier de Prisme Média. Petite équipe, soudée, Mais costaud, euh, costaud Éfficace, et qui, solide. Et qui aime ce qu'elle fait. Et puis moi, j'aime bien aussi ce que dit Yannick Jolin euh, il dit, euh, on apporte de la joie. C'est vrai, dans, dans le monde rural et puis euh, également sur TV7, grâce à, à, à Champ Libre. Bah, tout de suite, on va regarder euh, Champ Libre. Alors, c'était euh, l'épisode 2 de la saison euh, 2, notamment autour du festival de Sarlat. Bah, ça tombe bien, hein, parce que Sarlat. Euh... C'est d'actualité, puisque le festival du film de Sarlat c'est en ce moment à Sarlat. C'est un festival assez formidable, puisqu'il est destiné principalement à un public de lycéens. Ils viennent découvrir et rencontrer des équipes artistiques en avant-première de films français et puis surtout, ils fabriquent vrai que même des films, des courts métrages, dans les rues de Sarlat, c'est assez fabuleux. Voilà, champ libre, c'est tous les mois sur TV7 pour savoir ce que ça donne, comment on parle de la culture en zone rurale. Regardez tout de suite ce champ libre spécial. Merci d'être venu. Merci, Merci à vous.